Allez, c'est parti. C'est parti, le moment de stress commence. On est sur mon compte. Oh la vache. Alors, qu'est-ce que nous avons? Donc, nous avons 121 vélins des 7 ans. Nous avons un vélin de transcendance. Nous avons 10 vélins légendaires. 6 et 13. 6 et 13, 19 vélins d'Arcane Light. 15, 19 et 19, je vous laisse compter. Et 375 vélins mystiques. Tenez d'ailleurs. Je suis désolé, je suis autiste. J'aime bien avoir les comptes un peu ronds. Donc 19, j'aime pas ça. C'est un mauvais. Ah non, c'est pas le bon shop. La guilde. Voilà, parfait. Très bien. Eh Ray, Oui, c'est je te moi. souhaite bonne chance. Alors merci, c'est trop gentil. C'est trop d'amour que tu me Ouais, fais. je te donne toutes mon âme pour que tu aies au moins un AT5 à Dark Knight. Si tu Oh. veux qu'elle dise. C'est vrai qu'il mérite quand même. Oh, Léa. C'est tellement beau. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup, ça me Heureusement fait très plaisir. que c'est enregistré, hein, parce Ah que bah c'est oui. rare que je Ah l'écoute oui. moi. Ça me fait plaisir. Bah écoutez, sur cette émotion, j'aimerais bien commencer ma semaine, s'il vous plaît. Allez, allons-y. Allez, papy bourré. Oh, l'étincelle, parfait ça. Et ça commence, ça part. Allez. Par contre, ça machin, là par contre, je sais de rien du tout. Franchement, je veux juste Juno. Je veux juste Juno, franchement. Si j'ai Juno, je suis très content. Et je sais que tu m'en tiendras par ailleurs parce que je sais que tu l'as. Donc ça va. Je l'ai eu en double, donc Oh bon. putain, quel enfoiré. Mais du coup, Juno, c'est mon troisième natal déjà, et j'ai Ah là jamais là. eu celui-là. Ah oh, mais il se fout de moi lui, putain. Ah C'est quoi ça? ça je le sens pas, ça. Quand ça déco comme ça, je le sens pas. Ah, Vous t'as êtes eu un chez natal, Come ça. to Us, tout va bien. T'as eu deux, mec. Oh la vache. Putain, t'as eu machin? Mais non, j'ai pas eu machin. Déjà, comment tu pourrais le savoir? Bah, en regardant sur ton compte. Comment tu peux regarder sur mon compte? Je t'en ai eu. Ah bon? Non. C'est bien ce qui me semblait. Normal, les amis, c'est des gens forts. Rappelle-moi de jouer au poker avec toi, t'as pas l'air d'être un bon bluffeur. Hein. Si, je suis bon. Allez hop, on est reparti. Alors donc pour l'instant on a eu un skill up pour une harpiste. Bah écoutez, hein, si on a une harpiste light ou dark, là c'est Dova là qui me rend fou avec sa Kmoun Vigor. Oh le beau! Ça Oh commence. Polo! Oh le Aïe chevalier dragon! Mon premier chevalier dragon Laika et c'est de la wishlist! Oh le beau! aïe 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 Oh aïe. ça c'est beau ça! Putain ça y est, j'ai enfin un monstre de chaque famille de 5 nattes. GG. Oh, ça c'est beau ça. Allez, le Laika, je le voulais, putain, il était wishlist. Oh, le back-to-back. Allez, paf! J'y ai cru, hein. J'ai raté, hein, mais GG, hein. Ah bah merci beaucoup. Oh, le Mais de Laika. rien. Ah, le Laika, ça fait plaisir ça. Allez, on est sur la bonne lancée là. Ça c'est cool. Ah, oh, enfin, Chevalier Dragon, ça me fait tellement plaisir. Du coup, t'as les trois là? Non, bah, j'en ai un. J'en ai un, c'est mon premier représentant de la famille des Chevaliers Dragons et c'est la seule famille dont je n'avais aucun représentant. Ah ouais. Ouais. J'avais aucun Chevalier Dragon, j'ai un représentant de chaque famille sauf les Chevaliers Dragons et maintenant bah, c'est fait, j'ai Laika. Ah c'est Ah ouais. cool! J'ai Ah ouais. eu une BN où Ah ouais. j'avais le choix entre Cho et Ariel et j'ai pris Ariel au lieu de Cho. Ouais, Et c'est trop bon, je fort, t'avoue que je le Ariel. regrette pas du tout. Là, c'est devenu grave fort, Ah, Ariel. Ariel, c'est super Je fort. l'utilise en siège, trop pratique. Ah ouais, avec qui? J'ai fait une gang Venezuel, Ariel. Ah, ils sont bons. Ah bah on l'attendait celui-là. Le Kmoun. J'en ai eu aucun, moi. J'avoue, toi, t'as un truc avec l'Égypte, hein. Quelque chose me dit que l'Égypte, il t'aime pas trop, hein. Bon bah Tiens, c'est voilà. quoi ça maintenant? Ah, le petit Laika là, ça Allez. c'est cool. Oh là là, je Je vais. te ma bonne chance, j'ai un Dark Light à invoquer. Comment? J'ai un Dark Light à invoquer là. Ah bah ouais. Je crois des autres. Ah bah vas-y, hein, je croise les doigts pour toi aussi. Ouais, je lui pousse un canadien. Hein.
Bah là, moi, j'ai pas fait le forcing hein, sur les vélins. Là, j'ai pas cramé tous mes cristaux. J'ai pas fait mes TOA. Parce que là, pour le mois de mai, pour le mois de mai, je vais aller voir un ami en Suisse. Donc, du coup, j'ai préparé une petite semaine. Donc, il faut que j'économise un petit peu pour l'occasion. Bah, si on a le droit de bouger, bien évidemment. Ça ne me ferait que trop plaisir. Bon, ben, j'ai rien eu. J'ai eu un plus d'arc. Ah. Bon, de toute façon, Bah j'ai d'ailleurs, là, rien t'en pu penses faire. quoi, là, du deuxième éveil des eaux élémentaires, là? Oh, bah. Ça t'inspire ou pas trop? Trop bien. Hein. Je vais Ah. enfin pouvoir jouer Kali Ouais. et lui mettre des runes. Parce que j'ai monté mob. J'ai jamais. Bah, Voilà. pareil. Mais moi, d'ailleurs, justement, pour la petite histoire, j'aimerais bien que le haut élémentaire Dark soit très fort. Parce que le haut élémentaire Dark, c'est le premier monstre que j'ai invoqué dans un Vela Light and Dark. Et je l'ai gardé. Hein. Attention. Donc je me dis, bah allez hop, Bah, s'il pouvait être bien. Rike, tu Oui. sais que tu mens. Non. Normalement, c'est l'archer magique, mais bon. Que j'ai invoqué, banane. Bah oui. Bah oui, bah je l'ai pas invoqué, on me l'a donné. Ouais, mais en soi, c'est une impression, il me Oui, semble. mais non, Enfin, c'est pas comme je ça crois. qu'il faut le compter. Genre, Ah! c'est comme Je dire, joue c'est sur les comme. mots aussi. Bah oui, mais bon, c'est comme dire, j'ai Véromos, donc j'ai déjà un Sacnat Light and Dark, donc fais pas chier, quoi. Bah oui, c'est Oui, clair. techniquement, oui, mais non. Non, non. Il n'y a pas le côté plaisir, si tu veux, quoi. Genre, Enfin, c'est. j'ai 36 Véromones, donc j'ai 36 Nathan Dark Knight. Eh ben. Non, mais bon, je veux dire, c'est comme payer, quoi. Ça compte pas. Ça compte pas si tu payes, quoi. Si tu vois ce que je veux dire. Allez hop, il est quelle heure? 23h16, c'est bon. On a le droit de parler, on a le droit de parler de choses qui ne concernent pas les jeunes enfants. Ils sont censés être couchés. Allez, 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 allez. Putain, le petit Laika, là, ça fait plaisir. Franchement, c'est ouf. Je m'attendais tellement à ce que le premier Sagnat soit un doublon. Parce que bon, bah, moi aussi, il m'en manque plus beaucoup, hein. Je crois que là, maintenant, en tout, il doit me manquer moins de 25 nattes. Putain, de vache. Bah ouais, hein, Moi, donc. j'ai regardé dans ma liste des mobs là. Il manque 20 mobs et je suis à 1000 mobs. Pas mal. Ça, faudrait que je me J'ai motive tout. aussi un jour à les éveiller, tout J'ai ça, mais tout bon. awake ce que je pouvais. Enfin, il y a juste 3, je crois, Nat 4 que j'ai food et que j'attends de les avoir pour les awake. C'est lesquels? Et c'est tout. Bah, des mobs de merde. Bah Horus, Dark, Feu, pardon. moi, tu Et vois, par contre, le petit défi aussi que je me suis un peu lancé, c'est que je ne n'éveille pas, ou alors, bah, sauf les essentiels, de 3 nattes élémentaires. Et là, j'ai quasiment tous les 3 nattes du jeu éveillé, c'est que des fakes. J'ai, mis à part, genre, un Spectra qui passe par-ci, un monstre fusion qui passe par-là, mis à part cela, tous les autres, c'est que des fake 4 nattes que j'ai eu. Et j'avoue que ça me Alors, ferait si tu regardes marrer ma box, de les avoir tout est tous en éveillé alors que je les ai éveillé. pas. Comment? Tu regardes ma box, tout est éveillé. J'ai même invoqué les. Comment ça s'appelle? Les canons de garde. Il manque juste la Ah oui. feu, je crois. Bah celle-là aussi je les ai parce que justement bah pour skill up Lauren. Quoi? T'as acheté ça comme ça? Oh, trop Ouais, bien. bah, ouais bah, bah disons que ça me permettait de compléter la collection aussi, hein, c'était principalement pour ça. Il y avait un petit côté opportuniste dans Ah, l'histoire. ça me fait penser que j'ai Christina, ça. Ouais, bah moi aussi je l'ai. Hein. Eh, C'est. j'avoue que le vélin que j'ai chopé au dragon, je drop Christina. Ah bah, ce sont C'est des choses qui incroyable, arrivent. ça. J'étais tellement étonné que j'ai mis directement au stockage. Ah bah. Bah après, hein, je veux dire, c'est comme le bison haut, c'est comme Brandia, c'est. Enfin voilà, moi, y a plein de monstres pareils qui sont au stockage, bah je les foute pas parce que bah faut pas être con non plus. Mais bah il suffit d'un up et ils deviennent complètement OP. Hein. Ah bah le bison feu, je l'ai, j'ai mis au stockage. Mais pas trop haut, n'en parlons pas, hein. Bah Parce que transcendance antique. le bison feu, honnêtement, je le jouerais s'il avait le skin Summoner's War. Parce qu'en soi, il est très bien, hein. Mais
J'aime pas le skin Street Fighter, donc par principe, je ne le joue pas. Là, tu vois, là, j'ai Bison Ah Feu ouais. et Bison Vent. C'est les deux Putain, meilleurs. c'est quoi tous ces Nat 5 au stockage? Bah oui, bah je te dis, je les joue J'y fous pas. dans le stockage comme ça? Non, mais j'y crois pas. Bah, tu veux que j'en fasse quoi? Alicia, tu veux que j'en fasse quoi? J'ai Bess. Sigmarus, tu veux que j'en fasse quoi à mon niveau? Brandia, pareil. Les Oh putain, Bisons, bah ouais. je t'ai expliqué. Le Ryu Vent, tu veux qu'il me serve à quoi? Mephisto aussi. L'Onmyuji Vent, enfin. Bah, trouve-moi une raison de les utiliser et on en reparle, quoi. Le bison vent, il est pas mal. Oui, mais il est Clairement, il est moche. pas mal. Il est Ouais, il est moche. moche, on sort du moche. Il est moche. Il est pas Il mal, a mais du il est flair. moche. Il a du tatate pourtant. Oui, mais regarde, toi, t'es moche, puis t'es con. C'est n'importe qui. Est-ce que t'as la ref? Est-ce que t'as la ref? Moi je suis con. Oui. Ah non, je suis pas. Ah putain. Pétoche, toi qui es dans la génération, est-ce que tu l'as la ref? Dans la génération Evolo. Mais ah putain, vous l'avez pas vu ce film? Les trois frères. Ah Il est si! Non, mais je l'ai pas vu génial. depuis au moins une Il est demi-heure. génial ce film. Elle est moche. Elle est gentille, mais elle est moche. Toi t'es moche, puis t'es con. Elle est géniale. Franchement, les trois frères, il est excellent ce film. Ça fait vraiment partie enfin, de cette génération où le cinéma français m'intéressait encore. Aujourd'hui, je le trouve vraiment nul à chier. Les films français sont vraiment pourris. Mais alors, à cette époque-là, le dîner de con, les trois frères, le Père Noël est une Il y ordure, a un ça, putain qui qu'est-ce était pas qu'ils mal sont aussi. top! Oh le bon! Oh! Ah putain, c'est un doublon! Oh la vache, j'ai vu le Yes! singe, je me suis dit, allez, c'est le vent, Le vent. c'est un doublon, c'est pas grave, c'est une béné, j'en avais besoin. Oh là là, la vache, ah, ça aurait été le Xingzé. Oh putain. Oh putain, Pétoche, on n'aurait pas dormi de la semaine, hein, je te le dis. Je te le dis, on n'aurait pas dormi de la semaine. Allez, le Mewang. On est bien sûr hein, que c'est bien le singe-feu. Ouais, c'est bien le singe-feu, hein, pas de problème. Hein. Tac. Et ça dégage. Ça Bon. s'en va et ça revient. Ah putain, on n'a pas tous les mêmes refs, hein. Le mec, moi je lui sors les trois frères, lui nous sort du Claude François, hein. On en est là. Hein. Je connais. C'est que pour la plupart des musiques que je connais juste le son de la musique. Je connais Ouais, pas le bah. nom, je connais pas le chanteur. Ah là 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 là. Bon, allez, le Transcendance. Allez, s'il vous plaît, un truc de la wishlist, ce serait beau. S'il te plaît, pas machin. S'il te plaît, Juno. Juno est là, mon gars, mais pff, je suis refait. Allez. Allez, allez. S'il y a Juno machin, je te promets, je prends Juno. Ah, double doublon, putain. Fais Ah, chier. j'étais. Ça aurait été le feu, ça m'aurait plu. Bon, c'est pas grave, Oh, c'est et pas grave, qu'est-ce qu'il a c'est en pas grave. plus? Ouais, Oh là là. c'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. Ce Attention, sont j'ai des choses qui arrivent. taillé des événements. Oh non, ça va, t'inquiète, j'ai survécu à pire que ça. J'avoue que ça aurait été Kumar, ça m'aurait bien plu, hein. Parce que, pareil, hein, il y a une petite dev GVG. Xingze, Kumar, Chilling, là. Je sais pas qui c'est qui l'a inventé, celle-là, mais elle est sexy aussi. Ouais, franchement, je sais pas. Ouais, Hein. Elle est sexy, celle-là. Hein. ça me fait rire. Ouais, bah elle est pas mal, hein. Et ça, tu Ouais, vois, peut-être que. ça tu vois, c'est ce que j'aime bien. Il y a de la créativité. Ça, c'est beau, ça. Ouais. Ouais. Bah rien, ouais, Il un peu faut de du bon créativité dans aider. ce monde. Ça fait plaisir. Hop. C'est comme moi, là, on me taille sur ma Vera de Chunpung et Rakuni. Bah, elle fait des résultats, hein, cette def. Hein. Venger 3, tu vas voir. Zéro. Oh, bon, Direct ma t'inquiète, chef. hein. Kun Orion Savannah, elle a fait Ouais, heal. mais c'est normal. Dis-toi qu'en G3, ces defs-là, elles impressionnent plus personne. Hein. Les gens connaissent. Oh la vache! Non, mais j'y crois Putain, pas. mais merde, c'est encore double Oh! doublon! Ça aurait été Joséphine! Oh, ça aurait. Mais là, c'est ouf, franchement. Ça se joue vraiment à chaque fois à tellement peu de choses. J'aurais eu Xingze, Joséphine et Kumar, mon gars. Mon compte, il aurait pris un de ces, hop. Oh là là là, ça Ça aurait été fait, tu veux pas Joséphine. dire un 129, 359? Oui, c'est clair. C'est l'arbitre. Ouais. Moi, ça me rappelle une summon, hein, où j'ai eu. Il a fallu que j'enchaîne 6 doubles doublons avant d'en avoir au moins un que j'avais pas. C'est vrai, t'étais plein Ouais, je sais, oui, mais bon, j'en ai eu qu'un seul au final, quoi. de Ah la vache. Tac, c'est Mmh. bon, je l'ai eu. Ok.
Allez, hop, on est reparti. Oh là là, bah ouais, hein, ça c'est déjà un truc qui me fait peur, mais là, enfin, ça se joue à tellement peu de choses. C'est un élément, quoi. Là, petite Joséphine, pareil, hein, c'est tellement un monstre que je voudrais. Oh putain, il faut que j'essaye ça. Tomoe Erika. Tomoe Erika, oui, j'avoue. Ouais. Tu sais, c'est T'as Tomoe? le. Ouais, je l'ai eu. Ah, GG. À la Ligue 24. Bah C'est oui, je juste ce sais. qu'il y a d'intéressant sur elle, en fait. Non, son skill 3, il est pas mal. Ouais, mais un peu le skill 2. Enfin, c'est intéressant, mais. Ah, moi, c'est C'est en TOA, elle, je me suis situationnel. amusé à jouer. Comment elle s'appelle, la Dryade Dark en TOA, elle, Yanness. Elle est pas mal, hein? Non, on Elle est n'a pas pas mal tous du tout. le même mob, hein. Ouais, mais elle est sympa. Et Pour ni une les fois mêmes que je me dis à ranks. l'objet je vais la jouer, je vais me faire un kiff. Putain, joue avec ça. Allez, 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 là. Ma petite Les Cicadabou. 5 nattes sont là, hein, pas de problème. Mais ouais, là, il me faudrait vraiment un truc que j'ai pas. Je suis très content d'avoir Laika. Et il me faudrait vraiment un autre truc que j'ai pas, là. Petite Juno. Petite Joséphine aussi, ça me plairait bien. Petit Xingze, pourquoi pas, hein, serait très qualitatif. Voilà, je commence à en avoir, là, des skill-up Sylphid, là. Est-ce que ça annoncerait la Dark? Ben, je dirais pas non. Allez, allez, allez. Wow. Youp, tac, tac. Oh, c'est trop stylé! De quoi? Bah, 4 tours de dot. Ouais, et Non, mais c'est pour n'importe voir quoi! le stun à plus de 2 tours, ça fait plaisir aussi, hein. C'est toujours beau à voir. Ah ouais, un des tours de stun! Ah ouais, c'est Ah trop ouais, génial! Bah, c'est bon, j'amourais quand tu vois les celui-là. monstres, ils Allez, en sont à vas-y, 4 pêche tours la de sirène. stun, tu te dis allez hop, c'est bon, c'est tranquille. Tu joues ça en RTA, mon gars, c'est tellement beau. Oh non, mais mec, là, je suis avec Ganymède. Ganymède, il a pris que je sais pas combien de fois. Et du coup, j'ai 6 tours de dot là. Allez, petit Onimusha. Ça va skill up Kaki, ça tombe bien. J'ai des Onimusha à skill up, moi. Je veux jouer Kaki, je veux jouer Suiki. Je vais avoir le light, donc il va me le falloir aussi pour skill up, hein. Bien sûr, tout est Oh, écrit. le light, c'est n'importe quoi. Ah, ça absorbe la télé? Ah ouais, absorbe la télé. Oh, mais c'est trop OP. Tu sais, quand tu joues un monstre, c'est bien de lire les skills. Bah, j'ai lu entre les lignes, tu vois. Ouais. Entre les lignes. Ah, c'est Ça, n'importe c'est. quoi, non? Ça, c'est Flux quand il va se marier. Ah bon, faut dormir avec elle aussi? Ah bon, faut Non lui mais faire des ah bon, il enfants? faut payer cette note? C'est Bah ça? Ah bon, si je divorce, c'est excusez-moi, je elle suis qui rince? malade. Merde, je savais pas ça. J'ai 4 tours de stun. Oh, C'est beau. c'est jouissif de voir ça. Petit Rigel. Rigel qui est pas mal aussi, hein. Au début, je pensais que c'était un gros nerf qu'il avait pris. Mais son skill 2 là, il fait des gros dégâts, hein, et il est chiant, il rejoue tout le temps. Ah, je trouve quand même c'est un nerf. Hein. Oui, en soi, je suis assez d'accord. Enfin, en fait, pour moi, c'est plus un rework qu'un nerf. Parce qu'il Ouais, a plus mais du tout la même le fonction. mob en soi reste toujours très chips. Disons qu'il ne se joue plus avec la même compo. C'est vrai, il se C'est joue plus de la surtout même ça. manière aussi. Ah ouais, mais par contre, au niveau des dégâts, il en fait. Hein. Oh là là, putain. Quand je pense que là, putain, ça aurait été un petit Xingze ou une petite Joséphine, j'aurais été tellement refait. Mais bon, nous allons avoir Juno. Pas de panique. Le Transcendance nous a chié dessus, mais pas de panique. Tout est Mais non, il sous t'a pas chié contrôle. dessus. T'as Tout est juste sous donné celui qui m'a contrôle. été. Non, 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 non. Tu vas voir, toi. Une bénédiction. Tu vas voir. Bah, je l'avais déjà, la bénédiction. Il m'en a filé 2 autres derrière, hein, donc merci, la béné. Ah oui, c'est vrai, excuse-moi, j'avais déjà été oublié. Ouais. Tac, petit maître des poisons. Le Bolchevik style. Oh, il est inutile ce moment. Le maître des poisons. Oh, non, je trouve qu'il peut être intéressant.
Il peut être intéressant de mettre des poisons hauts. Pour GVG, hein, c'est un monstre GVG, très clairement. Putain, c'est quoi ce rituel en carton qui pose 0 dots? Ah bah alors. Genre mob haut. Normalement, il pose les 4, enfin les 3 dots. Enfin. C'est ce qui se passe en théorie quand tu l'as contre toi. Comment ça, contre moi? Ah, en théorie, tu veux dire? Quand on l'a en face de soi, Ah. elle pose toujours les dots. Putain, j'ai cru que c'était un latin. Ah, moi, c'est les psamates, faut qu'on m'explique. Le taux de résistance d'un psamate en défense d'arène, c'est Oh fou. non, mais pareil. Non, mais c'est fou parce Bon. que lui, le Glancing, il le pose tout le temps. Par contre, mon Ganymède, qui a le lead, précision, donc il est à 100%, il pose le Glancing peut-être quoi, une fois sur 5. Genre, je suis là, je fais les gars, à un moment donné. Psamate, c'est pas censé être à 100% de résistance. Hein. Qu'est-ce qu'il nous a fait là? Oula. Eh ben, tu sais quoi, tu sais, j'ai fait le skill 2 sur Léo D'accord. en TOA 93. Du coup, il est descendu au le skill 2 de Tomoe. Du coup, sa vie a descendu de 50%. Du coup, il est passé en dessous des 30%. Il est ignoré. Mon mob, il a disparu. Ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent quand on joue contre un Léo. Effectivement. Bon, là, c'est bon, j'ai gagné. Moi, c'est drôle. En plus, il manque des runes à ma tombe. Bah là maintenant il faut aller affronter le Léo en TOAL. Ah bon? Ouais bah en Je suis allé loin. TOAL Léo c'est le boss de l'étage 8. Et Oh, bah il est avec ses vas-y. 4 Je n'ai ragdolls. pas dépassé l'étage de 7, je crois. Il est avec ses 4 ragdolls et il s'éclate. Hein. Non mais t'inquiète, j'ai fait une vidéo dessus, tu devrais t'en sortir. Oui, bien sûr. Mais oui. Oui, bien sûr. Bah oui. Bah Mais t'as Rika oui, maintenant, tu devrais t'en sortir. Mais oui, c'est clair. Hop là. Alors, tac, on a eu quelques fakes également. On va les ranger. Un peu short quand Fake même en détail, en étincelle. Un peu short, un peu short. Allez, Tu allez. préfères tes Dark Knight histoire de voir ce que tu as? Non. Non, 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 non. Ce sera à la fin. Tu attends. Quand tu te mets à table, on te Ouais. dit quoi? T'as le droit de commencer par le dessert? Non, non. Oui, moi. Mais parce que toi, t'as pas eu d'éducation, tout simplement. Si, si, t'inquiète. C'est juste que je suis trop pressé par le dessert, donc je commence par le dessert. Je ne vous mets absolument pas en cause, maman Fulux, qui regardait ce live, bien sûr. Vous avez fait ce que Ah, vous t'es avez pas pu. à Je vous regarder rassure, en même face de moi lui. j'aurais abandonné. Ne vous reprochez rien, madame. Même moi j'aurais abandonné face à lui. Moi, je vais vous laisser, hein, parce que moi, demain, je travaille. Ça roule. Triste ça. Ah bah ouais, hein, c'est Hein? compliqué. Triste ça. Ouais. Voilà, demain, une grosse journée qui m'attend. Aïe aïe Je vais aïe faire aïe. 10 000 demain, objectif 10 000. Bon, je les ferai jamais. On Si n'est pas tu peux en les pleine faire, année. tu sais quoi, tu peux les faire. Va faire un prêt à la banque de 10 000 et achète toi-même les vélos. Voilà. Et tu Bon, l'auras ton déjà, je me chiffre. suis acheté un vélo à 2 500 balles. J'ai toujours pas fini de le payer. Hein. Tu m'étonnes. Ouais, je vous laisse. Allez, passe Je une vous bonne laisse. soirée. Tous. Allez, ciao. Faut que je prenne ma douche. Ah ouais, ah putain, toi tu la prends tard ta douche. Bah, j'ai oublié. Ah bah bravo. Ah voilà. Hein. Madame En train Fulux, de je vous discuter comprends. sur mon téléphone. Je vous comprends tellement, Madame Fulux. Ça a dû être tellement difficile d'élever ce gamin. Mon Dieu. Oh bah, non, Ça a pourquoi dû être tellement dur. pas. C'est. Parcours du combattant. Ah bah ça. Elle peut dire j'ai fait la guerre sans Ah mais être ça, allée à la je guerre. suis étonné qu'elle ne t'ait pas noyé dans une flaque d'eau. Honnêtement, dans la Oui. cuvette des chiottes carrément, tiens. C'est bizarre parce que moi-même, je pense pareil. Ouais, j'y vais. Allez, À passe une plus. bonne nuit. Ciao. Et bonne chance. Merci, salut. Et tu mets un screen si t'as chopé un Dark Knight à la Ça chance. marche, ça marche. Promis, je te Et mettrai un screen. si t'as rien eu, tu me Bah, dis, je mets j'ai rien. rien. Si j'ai rien eu, tu verras rien sur Discord. Voilà. Ok. Mais Et si t'as eu? si j'ai machin, je fais quoi? Je te le dis ou je te le dis pas? Ouais.
Je pense que c'est ta réponse. Hein. Bon bah voilà, c'est bon alors. Ouais. Et si t'as un 24 pété aussi. Oh, tu as un AT4 pété, tout est relatif. Hein. Pour moi, Chun-Li Light, c'est pas un AT4. Hein. C'est un AT3. Ouais, c'est un AT5, ouais. Bon, allez, j'y vais. Allez, passez une bonne nuit. Ciao. Bon, enfin seul. On va peut-être pouvoir retrouver notre rythme. C'est ça. Allez, là, c'est bon. Là, les 5 notes, là, il est parti. Vous pouvez revenir. Il n'y a pas de problème. Il vous embêtera plus. Bon, ouais, je vais y aller. Ça marche. Merci. Ah oui, parce qu'il doit, il doit être tard chez toi aussi. Ouais. Ouais, tu m'étonnes. J'ai un mal de tête en plus. Ah bah ouais, je comprends. Bah tu sais, moi aussi, hein, je t'avoue que dès que j'ai fini ma semaine, j'arrête et je vais me coucher parce que bah j'en ai peut-être pas l'air, mais je suis vraiment au bout de ma vie. Genre, quand t'es malade, t'as la réaction immunitaire qui s'active, donc du coup, t'es courbaturé de partout, t'as froid et de ça, machin, donc ouais, non, genre, j'en ai pas l'air, mais je suis vraiment en train de crever, là, c'est sûr, d'où ça. Bon, ben, bon rétablissement. Merci, merci, bon, t'inquiète. Hein. Et oui, ça va aller. Ah, je l'espère tellement. Allez, passe une bonne nuit. Merci, ciao. Bonne soirée à toi. Ciao. Bonne soirée, Pétoche. À toi aussi. Merci. Allez, allez, là, on y croit. On y croit, on y croit. Putain, j'ai vu là aussi, c'est vrai que Joséphine, c'est un must-have contre les Ryu Ho. Parce que, bah, comme elle peut pas glancing, elle les one-shot, quoi. Oh là là, putain. Il me faut Joséphine. Il me faut Juno, il me faut Joséphine. Il me faut tous ces trucs-là. Et. Allez, tout commence par une étincelle. Bon, en vrai, hein, c'est sûr que j'ai pas le droit de me plaindre. Hein. Je veux dire, bon, j'ai eu 3-5 nats plus le transcendant. Je n'ai pas le droit de me plaindre. Quand même. Allez, petit skill up. Ça peut toujours faire du bien. Ah ouais, non mais... Je déteste être malade, hein. Vraiment, la réaction immunitaire, le fait d'avoir cette... Je sais pas si ça te fait ça, mais moi, je le sens vraiment dans ma colonne vertébrale. La sensation dans le dos, que tout pique, tout est courbaturé, c'est dur. Ouais, ça fait un petit bout de temps que je suis malade, mais j'en suis bien content. Eh bah, je t'envie énormément. Parce que à chaque fois, de faire du plus petit, à tous les hivers que t'es malade, à chaque fois comme un chien, puis ça vraiment que je suis plutôt malade, j'en suis bien content. Ah bah, je t'envie beaucoup. Jusqu'à mes 20 ans, j'ai eu des otites de nourrisson. Ah oui, j'en ai eu moi aussi. J'étais en mode ben yes. Tes parents fumaient ? Absolument pas. Ah bon, parce que bah moi apparemment c'était du fait que mon père fumait, ça me faisait avoir beaucoup d'otites. Ouais. Maintenant mes parents sont pis pour le coup. Ouais, enfin ça c'est ce qu'ils t'ont dit. Non, j'en suis certain. Le gamin à 3 ans, il voit ses parents sur le lit avec les deux gros joints. Qu'est-ce que vous faites ? Ah, on tire un coup, tiens, on tire une latte, ça va t'aider à dormir. Le mec, il était élevé à ça. Non, je connais pas les parents. Ah bah, c'est bien. Non, moi, c'est vrai que j'ai toujours fait un bug par rapport à la cigarette. Je veux dire, autant, j'ai toujours compris le but, même si je ne cautionne pas, j'ai toujours compris le but de la drogue, c'est d'aller dans un état second, ça machin, mais la clope, c'est juste, tu brûles un truc, quoi. Bah, pour te dire, il y a mon père, il m'a raconté que quand il était à l'armée à l'époque. Ouais. Ah, on les incite à fumer. Hein. Pour son service militaire, il échangeait ses clopes contre du chocolat. Il est revenu, il avait 3 kilos en trop. Ah, bah ouais, hein. Bah ça c'est vrai que bah moi c'est comme ça que mon père a commencé à fumer, c'est à l'armée hein, à l'armée on les forçait à fumer. C'est chaud. C'est ça. Ah non, ça moi je t'avoue que même à l'armée ça aurait été compliqué de me faire fumer. Ah moi aussi. Par contre, je dis toujours que ce que je n'ai pas fumé, je l'ai bu. Hein. Ah bah ça. Ça par contre ça a pas loupé. Ah, ah oui, à un moment donné, il y a un respect, quoi. Hop là, allez, 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 là.
Allez, là, 83 vélins. Un 5 nat que je n'ai pas. Et si possible, un 5 nat de la wishlist. Ce serait le bonheur. Là, en vrai, j'aimerais vraiment avoir un 5 nat de ma wishlist. Parce qu'en fait, j'étais un peu embêté parce qu'il y avait 9 monstres qui m'intéressaient vraiment. Donc là, maintenant que j'ai drop Laika, il n'y en a plus que 8. Donc là, j'aimerais bien justement avoir un 5 nat de ma wishlist pour justement en virer un et avoir toute ma vraie wishlist, quoi. Et si possible, Juno. Mais qui fait une fixette dessus. Bah après, c'est tellement pété. C'est tellement pété, le Juno. Comment ? On sait que t'en es amoureux. Ça va, hein, je t'avoue qu'honnêtement, si je finis à la mairie au bras d'une meuf comme Juno, je vais pas me dire, les gars, on aurait pu trouver mieux. Oh, ça va, je me dis, bon, quelque part, bon, ça va, c'est honnête. On a fait ce qu'on a pu, on dira ça. Bon, je t'avoue que je préfère finir au bras d'une fille comme Juno qu'une fille comme Rika. Je veux dire, bon, à un moment donné, il y aurait un petit côté malsain, si tu veux, quoi. C'est ça. C'est clair. Ah non, mais ça me dérangerait pas, une petite Juno, pas de problème. Mais ça, c'est vrai que, bah, comme je te dis, hein, j'ai tous les monstres méta, mais je n'ai aucun counter, quoi. Et ça c'est quand même chiant, quoi. C'est le contraire. Bah ouais. Et pourtant, ça counter pas des masses. Ah, mais je te dis, hein, c'est... À défaut d'échanger les comptes, faudrait fusionner les comptes. T'imagines, putain, on serait au SWC. On va pas loin. Ah, j'avoue, on serait pas loin. Oh, allez, quelque chose. Oh oui. Yes, Etna. Yes. Ah, ça, c'est bon, ça. Et c'est un autre monstre de la wishlist. Yes, Etna. Oh, je suis tellement content. Oh, je suis tellement content. Yes. Ah, ça, c'est bon, ça. Ça, là, on va parler, là. Ah, yes, putain, Etna. Oh là 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 là. Oh, c'est Etsumon, les enfants. Oh, je suis tellement content. C'est pas fini. C'est tellement pas fini. Il peut encore se passer des choses. Il peut encore se passer des choses. Bon, là, par contre, bah, si je drop encore un monstre de la wishlist, je le remplace par quoi? Ça va être compliqué. Bon, je trouverai toujours moyen. Je trouverai toujours quelque chose. Oh, putain, Laika Etna, là, j'avoue que je suis bien content. Bon, par contre, là, on a plus de béné, hein, donc... c'est chaud. Ah la vache, putain. Je sais pas si t'as déjà eu des angines, mais chaque fois que tu déglutis, t'as l'impression qu'on te plante un truc dans la gorge, c'est affreux. Ah, j'ai déjà eu la mononucléose. Ah ouais, c'est pas mal en effet. Ah, ça pique un peu. C'est pas mal, effectivement. Ça fait passer des bonnes nuits, ça. Ah non, j'ai oublié, hein, ça fait. Ah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, j'ai putain. Quoi, ouais, pendant quasiment une semaine, j'ai quasiment rien pu avaler. Ah bah, c'est ça, hein. J'avais une gorge, j'avais pris deux fois la volume, je suis en train de super. Mmh. Ah, c'est clair. Mais on t'a pas opéré? Non, non, non. Ça finit par passer. Oh putain. Mais ouais, j'ai bien oublié quand même. Ah ouais. Je sais quand je l'ai chopé en plus. Ah, petite soirée où on a tous vu dans le même bouillet d'eau. Ouais, on s'en souvient. On s'en souviendra, ah, toujours. Ah ouais, ça c'est clair. Ah bah ça. Ces soirées, on a fini hyper mal. Est-ce que toi t'as connu les cimetières? Oh bah bien sûr. Oh la vache, putain. Oh, putain. Comment tu inventais ça, mais... Ah, quel enfer. Quel enfer, putain, les cimetières, quoi. J'ai une fois j'en avais préparé un, j'avais mis vraiment mais tout ce qu'il y avait. Et ça avait l'air tellement dégueulasse. J'ai regardé le verre pendant 5 minutes, je me suis dit, putain, j'ai pas envie de le boire. Et là j'ai un pote qui est arrivé. Il a pris le verre comme ça, il l'a bu cul sec. Il a fini tellement mal. Il a fini tellement mal, putain. Tu sais, j'étais là, je me suis dit, bon, alors plus jamais j'en bois. Et je suis content de pas avoir vu celui-là, quoi. Ah bah non. Nous, on a pire, on a des jeux où ça fait pas des cimetières, mais presque.
Genre, tu prends un jeu de cartes, t'as des différentes règles avec les cartes. Ouais. Et quand t'as le roi, tu mets un truc dans un verre, tu vois. Ah, je connais, oui. Oui, je connais, ouais. Ça s'appelle ça le Dom Dom, après. Ouais, alors moi je le connais pas sous ce nom-là, mais oui, je vois très bien le truc. Arrive au quatrième roi, tu bois cul sec, Ouais, quoi. c'est ça. Ah ouais, je crois que c'est genre, tu mets. T'as 2 doses d'alcool et 2 doses de soft, mais tu peux toi-même jauger, par exemple, tu peux mettre genre une goutte de coca, un truc comme ça, quoi. Ah ouais, Avant, on non, était c'est. dans le verre, on mettait tout n'importe quoi, on avait mis de l'œuf, Ah, tout c'est autant. fou. Ah putain. Mais vu qu'on était 5 ans, on faisait le tour de l'amitié, tout le monde buvait une gorgée, tu Ouais, vois. ça devait être L'autre qui dégueulasse. finissait. Ouais, ça en fait mourir plus d'un. Ah, tu m'étonnes. Non, moi, avec Pumpilu, là, mon ami Pumpilu, on avait inventé un jeu à boire. On s'était dit, allez, on invente un jeu à boire en 5 minutes chrono. Et c'était un peu, alors c'était avec un paquet de cartes, et c'était un peu un système de pari. C'est-à-dire que tu pariais sur la carte que tu allais retourner. Et genre, tu pouvais toi-même jauger la mise. Par exemple, si tu misais, par exemple, 2 gorgées, mais tu pariais sur la couleur de la carte. Est-ce qu'elle est rouge ou est-ce qu'elle est noire? Tu pouvais aussi parier sur le signe. Mais si tu paries sur le signe, bah, comme la probabilité l'augmente, bah, la quantité que tu bois l'augmente aussi. Et tu peux aussi parier sur la carte. C'est genre, tu dis par exemple, on avait appelé ce jeu le roi de carreau, parce que bah, mon pote, lui, à chaque fois, il arrêtait pas de dire, hey, le roi de carreau, le roi de carreau. Sauf que bah, si jamais, par exemple, il tirait la carte que tu désignais, et bah là, c'était cul sec pour tout le monde. Ah bah oui. Et je peux te dire que quand il reste 3 cartes dans le paquet, et que le mec il a compté, et toi t'es déjà par terre, c'est Ça fait pas compliqué. mieux. Ah, il était bien marrant ce jeu-là. Ça, c'est mes souvenirs des résidences étudiantes. Je sais pas si t'as connu Ah ça. bah ça. Non, vite fait. Oh la vache. Ah, les résidences étudiantes, mon Dieu. À ceux qui verront cette semaine sur YouTube, partagez-moi vos souvenirs de résidence étudiante, les enfants. C'est tellement beau. Il faut qu'il y ait une trace écrite de ça. Hein. C'est tellement magnifique, cette période-là, Je putain. saurais. Non, mais Ouais, c'est. j'ai fait 2 ans de fac, moi. 2 ans de fac, c'est vraiment. Ah bah C'est pas ça. pour avoir le diplôme à la fin. Ah bah c'est clair. Bah moi aussi, hein. Moi aussi, je fais 2 ans de fac. Alors, c'était clairement pas pareil à but scolaire, parce que ça a été un échec total. Bah alors, par Bah oui, contre, aussi. putain, au niveau des soirées et tout, c'est. Dis-toi que je dormais plus sur le parking de la fac dans ma bagnole que en rentrant chez moi, quoi. Genre, à un moment donné, le parking de la fac, c'était un camping, le truc, quoi. Ah, c'est ça, hein. Tous les retours de soirée, allez hop, dans le parking, quoi. Moi j'ai mon meilleur pote qui habitait à 5 minutes de la fac. Ouais. Ah bah, tu Bon bah, m'étonnes. je dormais souvent chez lui. Ah bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, franchement, putain, c'est fou, c'était tellement de belles années. Moi, je me souviens des. Alors, j'ai fait une fac d'informatique. Et en fait, ce qui est cool dans les facs d'info, c'est que bah, y a plein de geeks. Et Oui. du coup, bah, ils avaient tous une Nintendo DS, qui doit plus Ah. exister aujourd'hui, je pense, mais ils avaient tous une Nintendo DS. Ils Et ont on une avait. DS, non? Et en fait, on faisait des Mario Kart en amphi. Bah oui, en 8, ah oui. Bah c'est ça. Mais le truc c'est que à chaque course, bah, les consoles elles tournaient. Donc tu savais jamais qui avait la console jusqu'à ce que quand tu balances une carapace, t'entends à l'autre bout de l'amphi, le putain, quel enculé qui... Voilà, c'est exactement les trucs comme ça quoi. Oh la vache. Oh qu'est-ce que j'aurais aimé être à la fac avec Flux, bordel, je l'aurais tellement emmerdé pendant les cours. Il aurait ragé pendant tout le temps. Ah mais ouais, ça c'était tellement la bonne époque, putain la fac. Ça me manque. C'est la fac, c'est ma quoi? Première intégration. C'est la Ah. seule soirée que je me rappelle quoi. Ah. C'est vraiment. Y a vraiment juste un moment clé. Puis à partir, après y a plus rien. Ah, c'est clair. Ah Mais bah ça. dans la soirée, tu vois, du coup c'était un marathon. Et puis il y avait un bonus, il y avait un mec qui tournait à vélo, et si tu le chopais, tu gagnais des points en plus, tu vois. Et mon dernier souvenir, c'est d'avoir couru après y'a plus rien, putain de merde. On en a fait quoi du mec? On l'a tué? Ah non? Je sais pas, puis tu sais, le lendemain matin, tu te lèves, tu vois. On lève éclaté, hein, vraiment, j'étais fou. J'étais chez moi, j'étais content. Je pisse vert, je pense, ah, ça c'est Ah pas. ouais, là tu te dis. Parce qu'en fait, alors ce qui est intéressant, c'est dis-toi que ton urine reflète ce que tu as consommé en T'as fait. bu, non? Non, oui. Donc,
Selon la couleur de ton urine, dis-toi que si en fait, plus ton urine est claire et blanche, en fait, plus ce que tu as fait est sain. Par contre, quand elle est jaune-marron, tout ça, tu te dis, c'est une mauvaise soirée. Oh, non, bah, vert, attends, t'as bouffé un alien, quoi. On est là, si tu veux. Non, mais j'ai expliqué ce que c'était. Jet 27. J'ai décidé de faire un bout d'histoire quand même, parce que bon, j'appelle les potes, je dis, c'est passé quoi du coup. Voilà, c'est tu te rappelles la bouteille de vin au début de voilà, de soirée. J'en fais, bah ouais. Hein, du bleu méthylène dedans, je dis, qu'est-ce qu'ils ont. Oh putain. C'est donc ça la couleur verte, c'est le bleu des duvets. Ah ouais, donc, bah ça. Moi j'ai connu les cuites au Jet 27, le truc à la menthe dégueulasse, putain le nombre de litres que j'en ai bu quoi. C'est clair. Ah mais ça, il y en a eu hein, des cocktails hein, qui sont passés ces dernières années. Hein. C'est beau, c'est très très beau. Ah c'est clair, mais moi c'était vraiment mes meilleures années. Hein. Ça, quand on est parti en vacances à Osgore avec les gens de la fac, putain, mais qu'on a fait des soirées, mais c'est, je me demande vraiment si j'ai ne serait-ce que dormi à cette période-là, quoi. C'est, tellement on s'arrêtait jamais, quoi. Ah, c'était fou. On va s'arrêter, il n'y a pas le temps. Ah, bah, ça, c'est sûr que maintenant, bah. Là, maintenant, tu vois, une grosse soirée de même intensité qu'à l'époque, bah, tu sais que le lendemain, t'es cuit. C'est ça, tu sais que le lendemain, t'es foutu. C'est clair, ça c'est. Alors, il faut boire de beaucoup d'eau avant de se coucher. Ah ouais, ouais non mais c'est. Faut... Enfin, en fait, c'est tout un truc, hein. Faut arrêter de boire tôt, c'est compliqué. C'est pour ça que ce genre de soirée, faut le faire le vendredi. Parce qu'au moins, tu sais qu'allez, t'as le dimanche et le. Enfin, t'as le samedi et le dimanche pour t'en remettre, quoi. C'est ça. Allez, Joséphine. Encore. Non, Alicia, putain, encore. Putain. Et allez hop, on est reparti pour une bénédiction. Putain, Joséphine, bordel. Filez-moi Joséphine, filez-moi Chifou. J'en ai besoin de ces monstres-là. Hop, la deuxième Alicia. La première n'est même pas éveillée. Alors la deuxième, je t'avoue qu'elle va pas avoir un destin très agréable. Elle va retourner dans la fosse sceptique d'où elle est venue. La pauvre. Allez hop. Dans les chiottes, tirer la chasse et en avant. C'est dégueulasse. Allez, 3 vélins d'eau. Qui c'est? Petite Béné. Si. Petite Béné, petite Joséphine, attends, et on est refait. Hein. Regarde. Ah, qui c'est? Non, échec. Non. Échec, c'est pas grave. Ça, c'est des pièces de légendaire, ça j'apprécie. Ça. Ok, alors, légendaire, parlons-en justement. Oh la vache. Allons-y. Allez, on a une petite Béné, donc il peut tout arriver. Petite dryade, pourquoi pas. Si j'ai la light. Une Chloé. Ma bibi. Allez. Là. Un petit 5 nat, là, ça me déplairait pas. Hein, je t'avoue. Je comprends. Un petit 5 nat supplémentaire, là, je ne dirais clairement pas non. Les gargouilles. Allez. On arrive au bout. Pas trop régalé les... Comment? Les... Ils ont pas trop régalé les légendaires? Non, je crois qu'il y a que moi qui ai un sac là dessus. C'est pas impossible. C'est clairement pas impossible. Hop, allez, là, petit Captain Pirate, m'intéresse pas plus que ça, je t'avoue. Ah, ça par contre, ça m'intéresse, un sniper, carcano en plus, parfait. Allez, dernier vilain légendaire, c'est pas un 5 nat. Et c'est des pièces de légendaire, parce que bah Iris c'est déjà skill max. C'est pas grave. Alors, faisons un peu de magie. Donc ça et ça, ça dégage. Alors, bah écoute, j'ai bien envie de mettre Léo et Abelio. Bah, si tu veux voir ce qui me manque.
Ah oui, il y a des belles boxes aussi. Voilà, voilà. Et si jamais j'en ai un, je mettrais bien Kumar ou Perna. Mais sinon, voilà quoi, dans ce qui me manque, m'en manque pas beaucoup quoi. Non, c'est vrai que t'as pas beaucoup. Donc, ouais. Allez. Donc là, ouais, les. Abelio, Léo. Allez. Allez, allez, allez. Allez, un 5 nat là, ce serait beau. Une Juno, sa mère. Putain, si Juno pouvait tomber. Oh, si seulement. Pour ça, faut qu'il y ait des étincelles. Hein. Bah, c'est mieux. Oui, ça aide. C'est... Il manque un seul. Oh, putain, il est revenu l'autre con là. il a pas tenu, hein. Il a pas pu se coucher. Hein. Non, non, il veut savoir. Il a, là, il est dans son lit, avec le téléphone, il se dit « Ah, je tiendrai !»« Endors-toi, bordel, regarde, tu t'es cassé, j'ai eu Etna !»« Va te coucher !» Allez, la Juno. Juno, pitié, bébé. Non. Allez, ça, c'est pour Julian, ça. Julian qui va tomber, bien évidemment. Par contre, là, j'apprends un petit peu la macha, hein, parce que si si la macha, elle tombe, oulala. Ah, fait chier. Ouais. Allez, hop. Allez, 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 là, s'il vous plaît. Un 5 nat de cette liste me ferait ultra plaisir. J'ai eu deux. Ouais. Diesel. Non, parce que pour l'instant, les étincelles, c'est vraiment pour des hypothétiques 5 nat light and dark. Hein. C'est alors, même pas un petit Tony Moucha. Non, non. Bon, au moins, c'était ma quatrième étincelle, donc j'ai eu plus d'étincelles que Pétoche. Que Félix. Tout va bien. Allez. Putain. Juno, pitié. Allez, Juno, je crois en toi. Mais qu'est-ce que je fais, moi? Je vais crafter des monstres. Le mec, il va aller crafter Juno, tu sais. Il y en a marre. On va la fabriquer. Allez, j'en peux plus. Alors. Tac, 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 tac. Non, non, lâche-moi, toi. Ah, pareil, hein, là, Léo élémentaire, je suis refait. Oh là là là, putain. Après ma summon, je vais aller me foutre dans mon pieu et je vais aller crever en silence. Ça va être beau. je vais voir la lumière blanche au bout du tunnel, je vais faire j'arrive. Je finis mes V1 et j'arrive, quoi. C'est clair. Ah mais Juno, elle m'attendra devant chez Saint-Pierre. Hein. C'est elle qui va m'accueillir. Bonjour. Ah mon dieu. Ah bah là oui oui. Acceptes-tu ta mort si c'est pour passer l'éternité? Oui, pas. Ça c'est le truc tellement vicelard, ça. Renonces-tu à ta vie terrestre? Qu'elle aille se faire foutre. T'as c'est... Est-ce que tu as vu la bande-annonce de la série Loki? Non, mais il faudrait que je la regarde. Ah, franchement, cette bande-annonce m'a fait trop rire. Il y a, bah, de toute façon, je m'en fous, c'est la bande-annonce. Il y a un passage, en fait, où il rentre dans une pièce et il y a un mec qui a une pile entière de paperasse. Et on dit à Loki, signez toutes ces feuilles. Et le gars, il dit, bah, c'est quoi? C'est toutes les paroles que vous avez prononcées dans votre vie. Et il faut que vous validiez tout ce que vous avez prononcé. Et genre le mec qui fait ah bon vraiment? Et là t'as une autre feuille qui s'imprime et le mec il rajoute la feuille là-dessus. Il y a marqué ah bon vraiment dessus. Ça a l'air tellement con, je veux trop voir cette série quoi. Il y a Loki dedans. De quoi? Il y a Loki dedans, c'est forcément bien. Ouais c'est clair. Bah Loki pour moi c'est vraiment le meilleur personnage du MCU. C'est, autant les autres je suis beaucoup moins fan, autant Loki il a tellement rehaussé le niveau.
T'as des arcs sous le coude, on s'en bof. Ouais, c'est clair. Ah non, mais bah. J'étais curieux de voir parce que bon, bah, je me doutais qu'ils allaient pas tuer le personnage comme ça, mais. Mais j'avoue que j'étais curieux de voir un peu ce qui allait devenir, donc c'est pour ça que là, cette série, je l'attends avec impatience. Allez, il y a des étincelles là. Ah, un Onimusha. Youpi. Le skill up de Kaki se poursuit. Oh les putains, 5 nades, bordel. J'avais passé 6 étoiles tout ce que je voulais passer 6 étoiles. Savannah, Ritesh, Ninja Light et Pikachu. Eh ben. Oui, il y avait du skill pour l'attente. Ah bah, tu m'étonnes. Il y avait de la foudre d'attente. Tu m'étonnes. C'est clair. Allez, allez, Juno, pitié. T'as juste Juno, bordel. Ouais, mais attends, y'a pas le LD, ça ? Mais si. si, si. Si, 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 dans une minute, genre un LD supplémentaire. Mais pareil, du coup. Genre maintenant, là. Oh non, putain, ah, d'accord, j'ai cru que le jeu allait bugger. Okay. Ah bah ouais, ah bah ça y est, je l'ai reçu. Bon bah écoutez, hein, hop. Quel timing. Voilà, excellent. Hop. Allez, moi je l'invoque tout de suite parce que bon. Y'a pas que ça à faire. Tac. Et. Pas d'étincelle. Arpilite. Arpilite. Ok. Notre Calbien. Ah, ça, un deuxième éveil des harpies, ça pourrait être intéressant aussi. Mais non, il faut pas éveiller Calbien. Pas ça, monsieur. Oh là, putain, Fulux il a chopé quelque chose. Il ment, je pense. Du troll, monsieur, vous mentez. Tu bluffes, Martoni. On sait tous que t'as eu un pigeon. C'est qui Linda? Ah oui, oui, c'est bon, si je vois qui c'est Linda. C'est la sorcière Mystic Light. Ah, ça me déplairait pas là par contre. Un deuxième éveil des sorcières mystiques, ça me déplairait pas du tout. Ouais, je pense qu'il y a des choses à faire aussi. Allez. Allez, putain. 1, 5 nades, bordel, ils servent à ça, ces vélins. Ils servent à ça, ces vélins, franchement. À avoir un 5 nades qu'on veut, dont on a besoin. Allez, 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 putain. N'importe lequel de la liste. Je m'en fous. N'importe lequel me régalerait. Putain, si seulement. Si seulement. Ah bah ça, Juno, ça, ce serait le top du top. Hein. Ça, c'est clair. Mais n'importe lequel. Mais Juno serait le top du top. T'as choisi. Ah bah ça. T'as, par contre, là, les Onimusha, j'aime mettre bien. Ah bah, là. Allez, allez, allez. Bon, après, ça va, je repars pas à poil non plus. Hein. J'ai quand même eu Etna j'ai quand même eu Etna et Laika, donc je repars pas à poil non plus. Ça va. Eh bah, rank, hein, les Onimusha. J'espère qu'il y a le Dark qui va tomber. Hein. Hop. Ah putain, par contre, les étincelles, ça y va. Et on est reparti. T'as la vache, hein. Alors, autant vous, vous êtes tous allés en Égypte, mais alors moi, c'est clairement le Japon, hein, les enfants, hein, je vous le dis. Là, moi, c'est clairement le Japon qui m'appelle, hein, avec tous les Onimusha. Ah, plus de place. Et on est parti pour la dernière session de stockage de cette semaine. Et je pourrai aller mourir en paix. Oh là là, putain, quand même quoi. Ça méritait un petit 5 nat tout ça, hein. Je veux pas dire, mais bon. Ça mérite, hein. Y'en a qui font des efforts, bordel. Même quand ils sont malades, ils font des efforts et ils font plaisir aux autres. Et t'as eu Laika et Etna, ta gueule.
Je mérite, ok. Ma vie, elle est dure. Moi, je veux Juno. C'est clair, je veux Juno. Je veux ma blonde à gros seins. Bah, t'as eu Etna. Ta gueule. La mauvaise voix absolue. Hop, allez. Allez, allez, tout est encore possible. 26 vélins. 26 vélins pour un miracle. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Putain. Connard de diesel, bordel. Le light a intérêt à tomber. Ah, le Julian, il a intérêt à tomber, hein, je vous préviens. Oh. Et le Dark aussi, il a intérêt à tomber, lui. Voilà. Oh non, j'ai le light. Bah, moi aussi, je l'ai. Allez. Après, je sais que c'est pas toujours bon d'avoir trop de nouveaux Nat 5 dans la même semaine. Parce qu'après, bah, on a un problème qui s'appelle les Devilmon. Mais bon, voilà quoi. Il manque un seul choix, c'est pas. Non, moi ça va. J'assumerai d'être en galère de Devilmon. Hein. Les monstres, pour moi, une fois que je les ai, ça va. Après, je me démerde quoi. Du coup, faut que j'aille faire monter Wild. Bon, ça va bien se passer. Bah là, il nous lâche au niveau qu'il y a les mollies et puis les trucs vents. Les mollies et les trucs vents, la Neftis. Ouais, c'est ça. Ah bah non, il est tombé dans le vent, le boss. Ah. Ah. Vous êtes très bien, ça. T'as eu un Devilmon dans le world boss. Ouais. Fumier, bien joué. Ah là 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 là. Bon bah voilà, les vélins des 7 ans qui ne m'auront rien apporté. C'est de la merde. Ils sont sur le LD, ils sont sur le LD. Oh, si seulement. Allez. Est-ce que mon premier 5 Nat Light and Dark est là? Hop, ça mérite quelques étirements. Ah. Bon, un coup, ça aussi, c'est important. Alors, comme d'hab, bien sûr, je vais fermer les yeux. Si j'ai une étincelle. Je ne veux pas le voir. Mais bon, encore faut-il avoir une étincelle, hein, donc calmez-vous. Calmez-vous. Alors, pour l'instant, les Light and Dark, ce soir, ils ont enfilé que des HOH, hein, donc calmez-vous. Allez. Ah, une petite étincelle, là, quand même. Au moins une. Voilà, elle est pour moi. C'est clair. Allez. Au moins une étincelle, quoi. Au moins une, pour le kiff. Ah, parfait. Je regarde pas. Allez. Je le sens pas. Oh, si, quand même. Hein. C'est pas 5 notes, mais c'est pas mal, quand même. Est-ce que, d'après toi, je l'ai? Non. C'est sûr? Sûr. Oh, 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 oh. Ah oui, en effet. Petite Martina. Effectivement, là, c'est pas mal. Petite Martina. Là, pourquoi c'est... pas oh, pourquoi si, là, pas Martina. Ah, pourquoi pas, après tout. Oh, la deuxième. Oh. Je le sens pas. Alors, je pense pas que tu l'aies, mais c'est un jouet. Ah, c'est pas tableau. Non. Ah non, je l'ai pas. Mais Tony, ok, pourquoi pas. Et c'est un jouet. Ouais, c'est un jouet, ouais. Ah, petite Martina, j'avoue, c'est sympa. C'est sympa, on prend. Allez. Dernier vélin. Eh, pas d'étincelle. Pas d'étincelle, dommage, c'est vraiment une semaine de merde. Hein. Je n'ai rien eu. Je n'ai absolument rien eu dans cette semaine. J'arrête le jeu, c'est terminé. Ce jeu ne donne rien de bien. 121 des vélins des 7 ans, j'ai même pas eu de Juno. Vous vous foutez de moi. C'est n'importe quoi. Bon, bah...
Comment on s'en sort du coup? Alors, j'ai mon premier chevalier dragon, le petit Laika. J'ai enfin Madame de l'Enfer vend la Etna. Alors là, je vais me faire tellement plaisir. Et bon, j'ai chopé à tout hasard, au détour d'une rue, voilà, tombé d'un camion, dira-t-on, tombé d'un camion, une petite Martina. Il paraît que c'est ok. Bon, bah, je vous dirai bien ce que j'en pense, hein, écoutez. Il paraît que c'est ok. Et puis bah ça, petite bétonie, bon bah écoutez, pourquoi pas, mais voilà, une petite Martina, bah écoutez. C'est quoi son éveil? Ah, c'est un leader skill, bah c'est de la merde, c'est un monstre pourri, voyons, c'est quoi ça? Vol un des effets bénéfiques de l'ennemi à chaque attaque, machin, bon, okay, c'est rien du tout, oh là là. Les dégâts augmentent seulement de 10% jusqu'à 15 fois. Quand même, hein, quand même, hein, ça, c'est abusé, hein, moi je trouve ça. Ça vaut pas un Gemini, hein, je veux dire, voilà, Gemini, il a le lead speed et il strip, et il met le break def, hein, donc bon, ça vaut pas un Gemini quand même. Hein. Bon, bah écoutez, je pense que je m'en remettrai. Je pense aussi. Je m'en remettrai de cette summon. Ah, bon, bah écoutez, ça m'a fait très plaisir en tout cas, et puis bah, je vous dis à la prochaine YouTube pour une prochaine summon session. Allez, prenez soin de vous, ciao.